Je reste focus, je sors pas, je suis pas en vacances, je suis juste dans un autre pays pour travailler, c'est cool. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. C'est Jonathan Hachi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne. Donc l'idée de la chaîne c'est quoi? C'est de permettre que tu puisses être déterminé. Voilà, c'est ça. Hein. Donc il y a deux choses que je te propose, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 ans en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Et pour la deuxième chose, tu as ma formation Pirate Marketing. Je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K et c'est 100% financé pour l'instant. Voilà, voilà, donc tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Si tu veux utiliser ton CPF pour accéder à ma formation Pirate Marketing, tu mets ton numéro de téléphone, enfin tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, tu pourras poser toutes ces questions et on t'accompagnera à mettre en place ton dossier. Et après on aura les accès à Pirate Marketing et après ça sera dur, il faudra charbonner, nanani, nanana. Parce qu'il y en a, ils disent, oh, vous dites pas que c'est dur. Ah d'accord, bon ben je vais le dire à chaque fois alors maintenant. Ok, et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, être technique. Et pourtant, voilà, ça fait plus de moments que je voyage maintenant. D'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Ouais, les gars, j'ai pris des petites notes au cas où quand même, parce que là, il est 6h. Après, il est 6h du matin, là. Tu vois, il est 6h du matin et les gens, ils sont déjà vifs hein, quand même. Hein. Il y a grave du monde dans la rue, tu vois. Donc, en fait, j'ai reçu un message suite à ma vidéo. J'avais fait une vidéo qui dit, je crois le titre, c'est « Tu vas aussi passer par là ». Et en fait... En fait, on m'a demandé, ouais, du coup, ce serait cool que tu fasses une vidéo genre adepte, tu vois, genre depuis que tu as commencé à voyager. Parce que dans cette vidéo-là, je disais, ouais, que ça fait un moment que j'ai voyagé, que j'ai quand même bien avancé, tu vois, en partant de zéro. Alors que, tu vois, la chaîne YouTube, ça fait 4 ans que je l'ai là. Et du coup, elle voulait savoir un petit peu, ouais, qu'est-ce que j'avais appris, comment ça a avancé. Comment je gère mes business en voyageant, etc. Donc, du coup, je vais te partager un petit peu tout ça dans cette vidéo. Voilà. Quand ça sonne, tonton, je fais une vidéo par jour. C'est pour ça que vous pouvez m'envoyer des questions, genre sur Instagram, ou vous me donner des idées de vidéos. Si je vois que, genre, c'est une vidéo pertinente, je fais, tu vois. Je veux dire, une vidéo par jour, frérot, moi, je prends toutes les idées. Hein. Ok. Après, je teste. Si je vois que tu aimes, je refais. Ok. Donc, du coup. Enfin, je fais. Enfin, les gars, il ne sait plus parler français. Donc, du coup, alors, depuis 3 ans et demi que j'ai commencé à voyager, c'est sûr que ce business-là. Bah, alors, après, il faut savoir. Parce que ça veut dire que j'ai commencé ce business-là depuis 3 ans et demi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être qui sont nouveaux sur la chaîne, j'avais déjà commencé un business sur. Attends, je vais me mettre un peu plus loin parce que là, il y a trop de voitures en fait. Et je suis pas sûr que tu m'entendes bien. Donc, ouais, pour ceux qui ne savent pas. J'ai commencé un premier business quand même en 2016, tu vois. C'était un business en ligne sur le saxophone. Ok, et déjà sur le business en ligne sur le saxophone, j'avais déjà bien pris beaucoup d'expérience parce que j'ai pratiquement utilisé toutes les stratégies sur ce business-là qu'on peut utiliser pour pouvoir faire de l'argent en ligne. Je veux dire, voilà, à part vendre des saxophones, et à un moment donné, j'y ai pensé, mais c'est juste que comme j'ai changé. Et j'ai commencé ce business là, enfin j'ai commencé un autre business. Après derrière c'était sur la santé. Donc bref, tout ça pour te dire que j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a 4 ans, c'est sûr. Mais ça veut dire il y a 4 ans j'ai posté ma première vidéo. Mais j'avais déjà de l'expérience avant, tu vois. J'avais déjà fait mon business sur le saxophone. J'avais déjà généré du cash en ligne avec mon business sur le saxophone, voilà. Et après derrière j'avais même après business en ligne sur le saxophone parce que je voulais partir sur un marché plus grand, j'étais parti sur un marché sur la santé parce que c'était plus grand, parce que c'est pour ça que j'ai changé. Il y en a qui disent ouais, pourquoi t'as arrêté le business sur le saxophone. Bah, tout simplement parce que c'est compliqué de rester focus sur plusieurs business, c'est juste pas possible, c'est pas possible. Ouais, pour moi c'est pas possible. À moins que tout soit automatisé. Tout soit automatisé, etc. Donc c'est vrai que j'ai automatisé le business sur le saxophone. Mais comme après je faisais plus de vidéos sur le saxophone,
Du coup, tu perds du trafic, donc ton chiffre d'affaires commence à descendre, etc. Après, comme j'ai inspiré des gens à faire la même chose que moi, j'ai eu des concurrents qui sont commencés à arriver, qui ont pris la part des marchés. Et puis après, au fur et à mesure, je génère de moins en moins de cash avec ce business-là. Je fais même plus attention. Carrément. Je sais que je génère encore quelques. Je sais pas combien, mais franchement, je sais pas combien je génère. Si je génère 500 euros par mois avec ça, avec le business, il y a bien. Donc, du coup, bref. Donc, tout ça pour te dire que voilà. Et après, derrière, j'ai fait un business sur la santé. Ok, pareil, j'avais lancé ma chaîne YouTube. Et pareil, j'avais réussi à générer du cash. D'après, j'ai vite basculé. J'ai vite basculé sur ce business-là. Ok? Parce que c'était ma passion, parce que je kiffais, tu vois, j'avais une conversation. Le fitness, ok, ça m'intéresse, je kiffe, tu vois, mais pour moi en fait, tu vois. J'avais déjà aidé des filles à perdre du poids parce que je m'étais focus sur les femmes. J'avais déjà aidé à perdre du poids, elles étaient contentes, mais c'est juste, à un moment donné, quand tu lis que des livres de marketing, de business, fais ce que tu aimes, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, donc du coup, tout ça pour te dire que, voilà, depuis trois ans, j'ai commencé à voyager, ouais, ok. Ce que je partageais dans ce que j'ai appris depuis ces 3 ans là, bon, faut que tu prennes en compte que j'avais déjà commencé des business avant et donc voilà, c'est juste que tu saches. Donc du coup je dirais depuis que j'ai commencé à voyager 3 ans, donc voilà, je suis parti de zéro, j'ai commencé ma première offre, j'étais tout seul, j'avais commencé, je faisais du coaching, ok, maintenant j'en fais plus. Enfin, après, ceux qui sont dans la table ronde, ils ont accès aussi à un coaching de groupe, mais je propose plus de coaching genre comme je faisais avant, tu vois, genre sur 6 mois perso, 3 mois perso, tu vois. Je propose plus ça, tu vois. Donc du coup, j'ai fait ça sur la première. Derrière, après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai proposé d'autres offres. Je pense qu'après je fais pirate marketing, mais j'ai dû faire des trucs avant encore, tu vois. Après il y a un moment donné, je crois que j'en ai déjà parlé ça. J'ai une période où, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais arrêté le coaching d'ailleurs. Ouais. J'avais arrêté le coaching parce qu'en fait je voulais me mettre à fond sur l'e-commerce. Ok. Grosse erreur d'ailleurs. Je te conseille pas d'avoir fait ça. C'est pour ça tous les gars, en fait tout ce que je vais te dire là maintenant, c'est des choses que je dis tout le temps dans mes vidéos, tu vois. Dès que je conscientise un truc ou dès que je vois que j'ai fait une erreur, en fait, je le partage en vidéo pour que toi, ça puisse te faire gagner du temps, en fait, parce que et je le partage direct parce que je sais que si jamais je le partage pas direct, une fois que toi t'as intégré l'erreur, que t'as commencé une nouvelle habitude, après ça te paraît normal et tu y penses pas, tu penses pas à le partager parce que pour toi après c'est devenu quelque chose de normal, tu vois. Donc ouais, après je m'étais focus sur les commerces avec les stratégies que tout le monde utilisait, la Facebook. Facebook, influenceur et tout. Influenceur, j'avais gagné un peu d'argent, mais pas de quoi vraiment développer un business. Et Facebook, j'ai toujours été break-even. J'ai jamais vraiment pu générer du cash avec ce business-là. Mais c'était une erreur parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs créé YouTube Money Machine. Parce que je dis, j'ai manqué de respect à YouTube Money Machine. À YouTube, tu peux faire énormément d'argent. Comment ça? Muy bien. Bien ou non? Dile que sont les meilleures empanadas de Medellín. Elle a dit que de dire que c'est les meilleures bananas. Comment ça s'appelle? Empanadas paisas. Bananas paisas. Paisas. Ah, que bueno. Las mejores de Medellín. Es le meilleur de tout Medellín. De Medellín. Ah, que bueno. Sí, sí, sí. Gracias. Okay. Si. Que te va déjà bien. Ouais, des fois je prends des trucs chez elle là. Elle est gentille. Enfin, ils sont tous sympas ici. Bref. Ouais, donc du coup, ouais, j'ai été lancé beaucoup dans les commerces, tu vois. Tu sais, à force de voir des gens qui. Tu sais, j'interview des gens tout le temps t'entendais, ouais, j'ai fait 1 million, j'ai fait je sais pas combien d'argent, bref, là, j'ai fait 500 euros, machin. Je dis à un moment donné, je suis pas plus bête qu'un autre, vas-y, je vais me lancer aussi, disons, tu vois. Normal, tu vois. Mais du coup, c'était pas une bonne chose parce que du coup, ça a ralenti mon business sur YouTube. Et après, comme je continue à me former, tu vois, je me suis aperçu que je manquais de respect à YouTube en fait.
YouTube, tu peux faire autant d'argent. Mais c'est juste que bah, faut rester focus quoi. Si jamais, donc du coup, ça faisait que j'étais un petit peu moitié sur l'e-commerce, moitié sur YouTube. Donc du coup, même si tu penses que tu as du temps dans ton espace mental, en fait, tu peux pas tout gérer en fait. Tu peux pas tout gérer parce que en fait, tu te crées des nouveaux challenges en fait. Parce que même si tu as du temps, imagine où tu arrives à t'organiser pendant du temps, ton soi-disant théorique pour pouvoir gérer tout ça. Mais en fait, tu te crées des problèmes. Parce que à chaque fois que tu lances un business, tu vas avoir des problèmes. Moi, j'ai mes problèmes, mes challenges de YouTube après, de mon business sur YouTube. Et après, j'ai les problèmes de découverte. Je peux pas tout gérer, tu vois. Et tout prend du temps en plus. Je me suis vite refocus sur YouTube et puis tout a été très bien. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré du coup à sortir ma formation YouTube Money Machine, tu vois. Donc, première leçon, c'est rester focus, les gars. Pour faire un EDET, restez focus sur un seul business. Si vous essayez d'en faire 50, non, ça va pas le faire. Donc, ça, c'est première leçon. J'ai aussi appris depuis 3 ans que j'ai commencé à voyager, j'ai aussi appris à demander, en fait, poser des questions. Tu vois, il y a des opportunités, comme par exemple, si jamais j'arrive à vivre aux États-Unis par exemple, c'est parce que j'ai appris à poser des questions, à demander, tu vois, parce qu'avant j'étais plus un gars genre en mode je suis un peu je sais pas si c'est de la fierté, mais je demandais pas en fait, genre je demande à personne, je suis dans mon coin, je fais mes trucs et genre je crois que je veux tout savoir, et que alors que non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc je dirais un peu plus d'humilité, j'ai appris durant ces années. Je sais pas si c'est lié au voyage par contre ça. Mais plus d'humilité et ne pas avoir peur de demander, tu vois, quand tu sais pas quelque chose. Ne pas avoir peur de quand j'ai un challenge, de continuer à me former. Pas croire que genre... parce que durant ces 3 ans aussi, il y a des moments où j'ai stagné. Déjà parce que j'étais pas focus comme je t'ai dit, parce que j'essayais de faire deux choses en même temps. Et quand j'ai un problème, quand je stagne, ne pas croire qu'il n'y a que moi qui peux avoir la solution ou que je vais trouver la solution. Non. Et même si c'était vrai que je puisse trouver la solution, si je veux gagner du temps, ben, c'est mieux que je pose la question à quelqu'un ou que j'achète une formation d'un gars qui a déjà réglé ce problème-là. Ou, tu vois. Donc ça aussi. Et puis ouais, continuer à se former. Arrête, faut pas croire que... Après, c'est des trucs que tout le monde dit, que même moi je le dis et que je le répète. En fait, il faut continuer à se former continuellement. En fait, même si tu commences à bien gagner ta vie, en fait, si tu veux passer au cran d'au-dessus, ben, il faut que tu apprennes, faut que tu continues à apprendre. En fait, c'est pas genre tu apprends une fois un truc et puis après, ça y est, tes revenus vont monter tout le temps, 100K par mois, 200, 300. Ben, non, c'est pas comme ça. En fait, il faut continuellement rester humble et vouloir apprendre constamment. En fait, tu vois. Et des fois, ça peut, c'est pas forcément des gens qui sont qui gagnent plus que toi. Hein. Ça peut être par exemple au copywriting. Imaginons, ouais, putain, mes pages de vente, elles convertissent pas bien, etc. Bon, après, à certains niveaux, tu délègues. Mais pour donner un exemple, ça pourrait être genre le copywriter, il va peut-être pas gagner plus que moi. Mais par contre, il saura me donner des conseils ou je pourrais acheter une formation chez lui pour savoir comment augmenter la conversion de ma page de vente, tu vois, par exemple. Mais voilà, tout le principe, c'est toujours apprendre. Ok, ça, c'est quelque chose que les leçons que j'ai tirées depuis ces 3 ans, 4 ans, toujours continuellement apprendre. Pas croire que ça y est, parce que tu commences à être bon, tout ça, avoir des résultats, certains résultats, pas croire que tous les problèmes que tu auras, tu vas pouvoir tout gérer et que tu connais tout. Non, tu connais rien. Et plus tu apprends de toute façon, plus tu t'aperçois que tu connais rien. C'est incroyable, c'est vraiment vrai. Je sais que tu l'as déjà peut-être entendu ou pas. Mais plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu connais rien, frère. Donc les gens qui pensent que les riches, c'est des gens, c'est des gens orgueilleux ou je sais pas quoi. Non, tu peux pas être riche si jamais t'es pas humble. Enfin, je vois pas comment tu fais. En fait. T'es obligé d'être humble. Alors peut-être qu'ils pas humbles avec les personnes, peut-être qu'ils seront pas humbles. Alors imaginons, parce que évidemment, c'est pas un trait de caractère être riche, mais peut-être que certaines personnes qui ont de l'argent,
peut-être qu'ils seront désagréables avec les personnes qui ne considèrent pas, tu vois. Mais dans tous les cas, ils sont quand même obligés d'être humbles, parce que pour pouvoir être riche, tu es obligé d'apprendre de quelqu'un. Et pour pouvoir apprendre de quelqu'un, il faut que tu sois humble. Et je dirais même que les gens qui n'ont pas d'argent, eh ben, sont les gens les plus orgueilleux, tu vois. Parce que quand tu fais une pub Facebook, frérot, et que tu dis ouais, je vais t'apprendre à comment gagner de l'argent, alors c'est vrai, ok, alors c'est vrai que je te l'accorde, les gens ils font tellement d'arnaques sur internet que je peux comprendre que les gens ils soient un peu sceptiques, tu vois. Mais bon, quand même, moi je pense d'une manière générale, quand je parle avec les gens autour de moi, même si, non, si, quand ceux qui me connaissent quand même ils savent, mais les gens, pour eux, surtout quand je me rappelle, quand les gens, je parle avec des gens où moi j'avais pas encore vraiment de résultats, je commençais, tu vois. Mais par exemple, ils disaient ouais, mais les gars sur internet, c'est des moutons, si c'était possible, ça se saurait, etc. Donc, tu vois, bon, bref, pour moi, c'est un manque d'humilité. Et quand tu parles comme ça, c'est que tu penses que tu sais tout en fait. Tu penses que tu sais tout et que si tu sais pas, c'est que c'est pas possible. C'est aussi simple, c'est ça que ça dit en fait quand la personne dit ça. Donc bref, donc ça j'ai appris ça, vraiment demander constamment, si j'ai un souci aussi, ne pas avoir peur, demander, apprendre continuellement, ok. Au niveau de l'évolution dans mon business depuis ce moment-là, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent avec moi. Donc j'ai beaucoup délégué parce que j'avais déjà ce mindset là. Donc ça veut dire que dès que j'ai commencé à générer du cash, j'ai délégué rapidement, tu vois, dans tout ce qui est montage vidéo, j'ai délégué tout ce qui est TikTok, podcast, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez qui est posté, c'est délégué. C'est pas moi qui m'en occupe. Moi je produis contenu et eux ils le postent sur les différentes plateformes, donc TikTok, podcast, Instagram, les réels, etc. Il n'y a que les stories, c'est moi qui les fais. Et puis la publication c'est sur YouTube, donc il y a beaucoup plus de gens, c'est ça. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'ai une assistante parce que du coup j'ai lancé aussi une boutique. Finalement tu vas me dire ouais mais attends, t'as dit que la boutique e-commerce tout ça c'était pas le bon idée. Ouais mais finalement c'était une boutique clé en main, donc avec une stratégie SEO derrière, j'avais déjà parlé sur ma chaîne, donc ça tombe bien, ça tombe tout seul. Et j'ai mis une assistante aussi qui est dessus pour pouvoir faire le service client. Et en plus du service client, il y a aussi l'équipe. C'est pas vraiment, ils travaillent pas pour moi, mais c'est externe quand même. Une équipe qui s'occupe aussi de problèmes techniques, aux mises à jour, de ça, du site, etc. Donc il y a pas mal de gens. Il y a des gens aussi qui répondent au téléphone, donc de commerciaux, pour vous conseiller si jamais par exemple tu veux prendre pirate marketing, si jamais tu veux passer par ton CPF. Donc du coup je travaille avec un centre de formation, par rapport au début. Au début j'étais tout seul et aujourd'hui je sais pas combien on est, mais on est pas mal, tu vois. Donc c'est ça l'évolution que je pourrais dire par rapport à mon business. Beaucoup plus aussi de contact avec les gens, parce que quand tu as une chaîne YouTube, c'est un des avantages. C'est pour ça que j'aime bien YouTube. Du coup tu rentres en contact avec des gens, ça te donne des opportunités, toutes les opportunités que j'ai, même là, par exemple le fait que je vais vivre à Miami, si ça se fait, ce sera lié à ma chaîne YouTube, tu vois. Ce sera parce que les gens ils te respectent quand tu fais des vidéos, tu vois. Parce que c'est ça, la puissance respecte la puissance, tu vois. Enfin, si jamais tu veux être en contact avec des gens qui sont millionnaires ou je sais pas quoi, eux ils veulent pas être avec des losers. Les winners aiment être avec les winners. Ça veut pas dire que tu dois être blindé, ça veut dire que dans ton attitude, dans ce que tu fais dans ta vie, si t'es dans le ping-pong, frère, t'es à fond dans le ping-pong, t'es le numéro 1, tu vois. Enfin, tu taffes pour être le numéro 1, tu charbonnes. On a tous le même mindset, okay? Que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans le sport, dans la salsa, j'en sais rien, dans tout ce que tu fais, si t'es à fond, les gens ils vont respecter ça, tu vois. Et si les gens ils respectent, ils vont discuter avec toi, tu vois, tu vas les inspirer, tu vois. Donc bref, tout ça pour te dire que ouais, YouTube, ça m'a permis d'avoir des relations, des contacts, créer des amitiés,
avec des personnes. Et voilà, donc ça m'a apporté ça aussi. Au niveau des voyages, ouais, c'est ça. Est-ce que ça m'a apporté de voyager à l'étranger? Je dirais, est-ce que ça m'a apporté de voyager à l'étranger? Ce serait l'ouverture d'esprit. Alors, c'est classique, mais bon, je le dis quand même, tu vois. C'est l'ouverture d'esprit. Le fait de découvrir en fait différentes cultures, t'arrêtes de croire que t'es le nombril du monde, quoi. T'arrêtes de croire qu'en France, le monde tourne autour de nous. Non, pas du tout. T'arrêtes de croire que ouais, les pays pauvres, c'est des pays genre, je sais pas, moi, comme si c'était des gens en dessous de nous, un truc comme ça. Non, t'arrêtes d'avoir en fait un esprit étriqué, quoi. Tu vois. Enfin, là, je suis en Colombie, il y a des gens, ils m'envoient des trucs. Hey, Pablo Escobar, quoi. C'est cool, c'est marrant, tu vois, mais enfin, c'est un vrai big pays, tu vois. C'est pas une île, tu vois. Ils sont, je sais pas combien, ils sont grave beaucoup. À Medellin, je suis, on est des millions, je crois. Ici, oh, le bâtard, j'ai dit, on est des millions, comme si je vraiment j'étais combien, quoi. Medellin, alors que c'est pas la plus grosse ville, hein. On est, je sais pas combien de millions, c'est moderne, enfin les gens ils sont pas teubés, tu vois. Non mais je te dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent que ouais, tu vois, ils pensent que les gens sont teubés dans les autres pays, quoi. Comme ils sont un pays pauvre, voilà, entre guillemets pauvre, quoi, tu vois. Donc ouais, ça va apporter l'ouverture d'esprit, donc de voir que il y a d'autres façons de fonctionner. C'est pas parce que toi t'as une manière de fonctionner que ça veut dire que les autres façons de fonctionner ne fonctionnent pas. Parce que quand tu vas dans un autre pays, tu vois qu'ils fonctionnent d'une autre manière, mais ça fonctionne. Alors ça veut dire qu'il y a différentes façons de fonctionner et du coup tu commences à arrêter de croire que parce que l'autre est différent, bah, il est chelou. T'arrêtes de penser comme ça. C'est un peu ça le racisme en fait. Il est différent, il fonctionne pas comme moi, je l'aime pas. Je me sens pas à l'aise, je l'aime pas. C'est un peu ça le début. C'est un peu ça le truc. Donc quand tu commences à voyager, bah, toutes ces histoires de couleurs, de culture, de religion, etc. Bon bah tu acceptes l'autre comme il est parce que t'as tellement vu que c'était normal, c'est plus un truc de ouf, quoi, pour toi, tu vois. Bah, moi j'ai toujours été très ouvert, donc ça me pose pas de soucis, mais je l'ai été encore plus en voyageant. Le fait aussi de parler d'autres langues, tu vois, parce que j'ai continué à travailler mon anglais, j'ai travaillé aussi mon espagnol, bah, ça m'a permis, ça t'ouvre d'autres horizons, en fait. Tu vois, en parlant espagnol, je me suis aperçu, je sais pas moi, j'ai commencé à parler espagnol, il m'intéressait à la culture, tu vois, colombienne, ou même tout ce qui est latina. Bah, tu t'aperçois qu'il y a c'est un autre monde, en fait. Et que c'est un big monde, tu vois, c'est un monde vraiment, c'est big en fait. Et je savais pas, la salsa c'est un truc big. Moi je pensais, je savais pas, mais c'est big de ouf, c'est international. Enfin, quand les gars ils remplissent des stades, même à Miami, je veux dire l'autre, comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom, mais enfin il y en a plein des gars qui sont big de toute façon, mais ils vont à Miami, ils remplissent des stades, normal. Bon, Miami, tu me diras, il y a tous les latinos, ils sont là-bas. Mais tout ça pour te dire que ouais, je me suis aperçu que ouais, c'était big et que je comprends. Et après, tu vois que même les Américains, quand par exemple, parce que je suis à la banque américaine, quand j'appelle, bah, y a deux possibilités, ou anglais ou espagnol. Tu vois. Donc c'est pour te dire que la langue espagnole, enfin les latinos, ils ont vraiment envahi les States, tu vois. Et c'est un truc que je prenais pas conscience. Tant que j'étais pas venu en Colombie, je ne pouvais pas commencer à m'intéresser et à voir. Donc voilà, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet d'apprendre de nouvelles choses, ça te permet de voir comment les gens fonctionnent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ça te fait connaître de nouvelles saveurs aussi. Tu vois, tu manges des choses différentes. Donc après, ça fait un mix de tout. Et moi, après, je récupère des trucs un petit peu à droite, à gauche. Et après, c'est ce qui fait toi, tu vois. Et puis, ça te permet aussi d'avoir des idées. Ça peut être, tu sais, par exemple, je pourrais faire des business ici, tu vois. Enfin, ça, c'est super intéressant, en tout cas, voilà. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Et puis, je kiffe, en fait. Je kiffe voir des gens différents, des cultures différentes. Je kiffe ça. J'ai toujours kiffé voyager. Parler des femmes aussi, si on parle des femmes, ben, voir des femmes qui fonctionnent différemment, des types de beauté différents, différentes, on dit.
Ouais, franchement, c'était super cool. Et ça, ouais, tu peux le faire seulement si jamais tu es à Business Angel, ça c'est sûr. Donc ça, le voyage, moi j'ai toujours voulu voyager. Donc voilà, après, c'était quoi l'autre question? Je pense que j'ai pratiquement tout fait là. Comment je gère mon business depuis mes voyages? Ben, en vérité, les gars, parce que souvent, je pense que quand tu connais pas ou quand tu n'as jamais vraiment eu un business en ligne et commencé à voyager, en fait, quand tu voyages, surtout mon business, moi, il commençait, tu vois. Donc, quand tu commences un business, c'est le moment, c'est le plus dur. D'ailleurs, pour moi, je considère toujours que je suis dans le début, hein, tu vois. Ça fait 3 ans et demi, vraiment, que j'ai lancé ma première offre il y a 3 ans et demi, on va dire. Donc pour moi, je suis toujours dans le début, tu vois. Bah, dans le début, c'est le plus dur, c'est là où tu pousses le plus dur. Donc comment je gère mon business? Bah, je bosse. Hein. Il y en a que... D'ailleurs, j'avais même entendu d'entrepreneurs qui disaient, moi, je préfère carrément genre avoir un bureau. Quand je voyage, j'arrive pas à travailler. Il y a plein de gens qui disent ça. Hein. Ils disent, j'arrive pas, mais j'ai besoin d'être chez moi et avoir un bureau et aller tous les matins au bureau et bosser, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui pensent ça. Ou qui veulent et qui n'arrivent pas à travailler de chez eux parce qu'ils disent ouais, j'ai vraiment besoin de sortir de... Alors d'une part, ils veulent pas voyager, enfin ils sont moins productifs quand ils voyagent et ils préfèrent aller dans un bureau quand même, pas travailler de chez eux. Bon, moi j'ai pas ce problème là, mais comment je gère mon business? Bah, c'est simple, je me lève, je vais taffer. C'est tout, je me lève, je taffe de chez moi en général, de là où je suis en tout cas, et je fais ce que j'ai à faire et je suis focus, frère. Je suis focus parce que j'ai faim, j'ai la rage, je vais tout péter dans ma life. Le temps, il passe comme jamais là. Depuis que je m'intéresse au business, frère, le temps n'est jamais passé aussi vite. On dirait que c'est comme si c'est une blague. Genre, ah ouais, tu t'intéresses au business? Ah, tu veux faire de l'oseille? Ah bah vas-y, on va accélérer le temps alors. Tu vois, c'est un truc de malade. Donc, non, je suis super focus. Je vois pas les semaines passer tellement je suis focus. Je taffe de ouf. Parce que c'est le début du business, il faut le lancer. Puis j'ai des gros projets, tu vois, j'ai lancé ma chaîne en anglais. Pareil, maintenant que j'ai commencé de la chaîne en anglais, ben, l'idée c'est de la faire péter aussi, tu vois. Donc j'y pense, j'essaie de trouver de nouvelles stratégies. Donc voilà, je vais peut-être même faire des interviews avec des meufs sur cette chaîne-là. Hein, parce que je sais que c'est ça que les gars veulent voir, les Américains. Donc bon, tous les Américains, je pense tout le monde. Donc voilà, tout ça pour te dire que comment je fais pour gérer. Alors du coup, pour répondre à la question, bah, je reste focus, je sors pas, je suis pas en vacances, je suis juste dans un autre pays pour travailler, c'est cool. Sous mes temps libres, bah, du coup c'est cool, j'en profite. Mais par exemple, j'ai rien visité ici. Je suis en Colombie mais j'ai rien visité. Alors c'est pas que ça m'intéresse, parce que tout le monde dit ouais, mais t'as pas visité tel musée, t'as pas visité tel monument. Enfin, honnêtement, moi je m'en valais. Tiens, à un moment donné, ce qui m'intéresse dans un pays, c'est plus parler avec les gens, m'intéresser à la culture, la nourriture, voilà, échanger avec les gens, tu vois, c'est ça que je kiffe, tu vois. Mais ouais, bah, moi je me lève, je taffe comme si j'étais en France en fait. Je me lève, je taffe, voilà, le fait que je sois dans un autre pays, ça change rien du tout. Je me lève, je taffe, je bosse, c'est tout. J'ai pas ce truc de. Oh là là, c'est dur, je regarde par la fenêtre. Oh là là, j'aimerais bien faire un tour. Oh, j'aimerais bien aller sur telle île qui est juste à côté. Non, pour l'instant, frère, c'est pas le moment. Pour l'instant, je charbonne. Le temps va arriver, t'inquiète pas, les sorties, elles vont pas partir. L'île, elle va pas partir. Enfin, les vacances, elles vont pas partir. Enfin, je veux dire, rien va. Les soirées vont pas partir. Enfin, tout le monde va. Tout sera. Les meufs vont pas partir. C'est les gars qui sont pas focus. Les meufs, elles vont pas s'évaporer dans la nature. Enfin, je veux dire. Moi, je suis focus, priorité au business. Faire avancer un maximum, vous apporter un maximum de valeur. Tester de nouveaux. Tu vois, par exemple, là, cette vidéo, je teste un nouveau contenu. Je vois. Si jamais je vois que tu kiffes, ben, je referai. Si je vois que tu kiffes pas, je referai pas. Tu vois. Comme la première, j'avais dit la même chose pour la première vidéo où j'ai dit. Tu vas passer par là, un truc comme ça. Parce que du coup, cette vidéo, je la fais par rapport à cette vidéo-là. Comme j'ai vu qu'elle a fonctionné, j'ai refait. Mais sinon, j'aurais pas refait. J'aurais pas fait celle-là. Et donc, du coup, bref. Donc, ouais, non, je reste focus, frère. C'est tout. Je reste focus. Je taffe. Que je sois pas en vacances.
comme j'aime bien dire, c'est un lifestyle, hein, ça veut dire que je suis en vacances et je suis au travail, c'est la même chose. Mais je voyage juste comme ça pour que quand je suis dans mon temps libre, voilà, quand je sors, ben voilà, je suis déjà dans notre pays. Mais tous les jours je bosse. Tous les jours je bosse. Il n'y a pas un jour où je bosse pas. Est-ce que ça veut dire que je travaille 10 heures tous les jours? Non. Tu vois. Peut-être le samedi, dimanche, je bosse un peu moins, tu vois. Parce qu'en général, je fais pour le samedi, dimanche. Parce que déjà, ce qui prend du temps, c'est les vidéos. Mais le samedi, dimanche, peut-être que je travaille peut-être... Ouais, donc du coup, je prépare mes vidéos peut-être le vendredi. En général, je fais 3 vidéos, comme ça, je travaille pas... J'ai pas besoin de les faire genre vendredi, samedi, dimanche. Ouais, donc du coup, ouais, je fais mes vidéos une fois par jour. En général, je fais une fois par jour. Avant, je faisais 10 vidéos, 20 vidéos en avance. Mais comme mes vidéos, elles sont longues, tu vois, parce que je parle beaucoup. je peux pas faire 20 vidéos, ça me prendrait toute la journée, tu vois. Donc voilà, je pense que voilà, j'ai fait le tour par rapport à ça. Voilà, puis après, je continue à avancer, tu vois. Là, je vais basculer sur le marché américain. Et ça, c'est pareil, ça aussi, ça m'a appris aussi durant ces 3 ans. J'ai appris à avoir confiance et de pas avoir peur d'échouer, en fait. On s'en fiche d'échouer. On s'en fiche de ce que les gens vont dire. Ouais, bien sûr que ça se trouve, il y a des gens qui vont mettre des commentaires sur ma chaîne en anglais. Tu sais pas parler anglais ou j'en sais rien. Des fois, tu te fais des films et personne ne dit rien du tout, tu vois. Mais j'en sais rien, tu vois. En général, tu veux pas faire des trucs parce que t'as peur d'échouer ou t'as peur que les gens se moquent de toi ou qu'ils disent des choses sur toi, blablabla. Mais je sais plus comment j'ai fait pour réaliser ça, mais en fait, fais ce que t'as à faire. Enfin, la vie, elle est trop courte. On n'a qu'une vie. Frère, fais tout ce que tu as envie de faire pour avoir aucun regret. Tu vois. Moi, si j'avais pas lancé ma chaîne en anglais, j'aurais eu des regrets. Parce que c'est ce que je veux faire. Je veux être un influenceur aux States. Ok, donc go, tu vois. Ça sert à rien de perdre du temps. Au début, j'ai dit, ouais, je cherchais des excuses. Ouais, je vais attendre d'avoir des papiers pour pouvoir vivre aux États-Unis. Et là, à ce moment-là, je vais lancer ma chaîne. Non, je regardais des vlogs d'un gars. Un gars, il parlait en anglais. Le gars, il est en Thaïlande. Ou le gars, il est au Venezuela, ou il est ailleurs, dans un autre pays, il parle en anglais et il a des followers carrés, tu vois. J'ai dit, mais en fait, arrête de trouver des excuses. Et là, boum, j'ai lancé ma chaîne. Et voilà, parce qu'il faut commencer. En plus, je connais le game. Ça va prendre 2 à 5 ans. Donc voilà. Donc tout ça pour te dire, voilà, ça c'est encore l'autre point aussi, ce que j'ai appris durant toute mon évolution, là, depuis que j'ai commencé le business. Juste passer à l'action et arrêter de réfléchir, quoi. Et après, en passant à l'action, tu vas améliorer au fur et à mesure. Tu vois, ma chaîne en anglais, c'est des vidéos, il n'y a aucun montage, il n'y a rien. Okay, je fais boum boum, et au fur et à mesure, j'améliore, tranquille, tu vois. Donc voilà, vidéo assez longue. J'essaie de te partager un maximum de tips, de conseils. J'espère que ça va pouvoir t'aider à te lancer ou à persévérer si jamais tu es déjà dans le business. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit par rapport à ça. Donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime si t'as aimé cette vidéo. Pareil, si jamais je vois que t'as pas aimé la vidéo, ben j'en referai pas des comme ça. Donc mets un j'aime si jamais t'as aimé cette vidéo, si tu veux plus de vidéos comme ça. Et si tu veux aller plus loin avec moi, ben t'as tout en description. Et puis les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Ça va être ton camp.